attention. Ouais, Herman qui ressort. C'est Malher qui reste sur la glace. Mésentente. Légère mésentente, mais les Briançonnais sont bien à 4. Alors que les Anglois ont cette supériorité pour terminer cette première période. Voilà, c'est dégagé par l'intermédiaire de Deberge. Bastien Colomban au pressing. Attention, là, il va falloir être plus rapide. C'est bien fait de la part des Basques qui sont en place. Peut faire peut-être pour lancer. Et but ! Et but de Peut faire ! Voilà, il n'aura pas fallu 36 power play aux Anglois. Eux qui ont été légèrement dominés en ce début de tiers-temps, qui finissent en boulet de canon, on va dire, et qui trouvent l'ouverture dans cette rencontre. Et comme bien souvent les Briançonnais, allez, Richard. Ah, Richard, il est contré, c'est récupéré peut-être par Ackermann à la ligne bleue. Et non, ce sont les Anglais qui le récupèrent. Et bonne défense là des Briançonnais qui peuvent récupérer. Voilà, c'est parti avec Karmbach. Karmbach côté gauche. Karmbach, ah, il est tout seul. Et les Anglois gagnent du temps. Ils dégagent. Et bien sûr, le palais qui est derrière la cage de broche. Voilà, on change de ligne côté Briançonnais. Le power play est changé. On laisse la place aux Français avec Robin. Robin, Gaëtan. Il n'y a pas ligne. Il va être sanctionné, Richard. Il va être sanctionné, Richard, par Monsieur Marcelo. Alors que, bon, il n'a pas fait exprès de l'envoyer dehors, hein, ça c'est sûr. Pour le moment, hein. Il reste 7 minutes de jeu. Et bien sûr, les Anglois, ils peuvent en profiter. Ils l'ont déjà fait lors de la première période. Bouvet. Il donne derrière. De Coq. Cazarine. Oh, il est lancé.